esa nena linda por esa cabeza loquita. Cada vez que la veo se moja los labios, mi corazón se me agita. Don't forget me, baby. Do you remember me? Por favor no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo. Les hommes, je vais vous donner un conseil. Quand vous allez choisir votre femme, ne prenez pas la femme la plus belle, la plus... Prenez une femme qui sait s'occuper de vous, qui sait s'occuper de votre enfant. Okay, ne choisissez pas attends, que sur le... Tu es en train de me dire que je suis laide, en fait. Non, j'ai pas dit que t'es laide. J'ai pas dit que t'es laide. On peut avoir les deux qualités, enfin, toutes les qualités possibles. Oui, toi, t'es belle et vaillante. Ah, merci. Mais oh. De pire en pire, oh là c'est baraque, mais même habille-toi, bordel de merde, il a acquis ce pull à ton oncle. Non, il a rien chié. J'ai hâte. Hâte d'être le 16 juin. Pour toutes les personnes qui parlent et qui disent ouais, la première fois, ça vous a pas servi de leçon la carte Nasdaq. La première fois, j'ai mis à peine un peu plus de 15 000 euros. Vous avez été, je crois, entre 4 et 6 millions à essayer de passer commande. Mais cette fois-ci, le 16 juin, on s'est préparé. On s'est préparé. Vous allez voir, je dis pas que tout le monde va avoir de l'argent. Je dis que ça va être largement mieux structuré. Vous verrez bien le 16 juin. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Même la ville a des culs brisés, j'arrive à comprendre quelque chose. Mais eux, je comprends plus rien. Pourquoi la Lina dort avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand je vais dormir, qu'est-ce qui se passe dans cet appartement? Tu te sens comment aujourd'hui? Bah, je sais pas, j'ai perdu toutes mes fausses copines et mon mec. T'as perdu toutes tes fausses copines et ton mec? Ouais. Avec Rimo, ça va pas mieux? Je sais pas, c'est bizarre avec lui. Alors? Alors? C'est trop bien, ouais, ouais, c'est trop bien ou c'était trop bien? C'est trop bien, j'ai bien dormi. T'as bien dormi? Voilà, maintenant mais comment ça se fait? Je sais pas, je l'ai rejoint, j'arrivais pas à dormir. T'arrivais pas à dormir, tu l'as rejoint? Ouais, il est en train de jouer. Et il t'a pas refoulé? Non, mais du coup, maman, là, je vais rester droite. Bah, j'espère. Ouais. J'espère. Tu peux juste me rappeler ta fonction? Coach. Coach de vie? Coach de vie, ouais. Cette personne, elle est venue au quartier, elle m'a dit qu'elle était coach de vie. Et en gros, il est venu pour toi et pour Crimo. Yes. Pour réparer votre... Enfin, tu vas réparer leur problème de couple. Je vais essayer. Je vais essayer, mais c'est surtout pour leur faire comprendre les enjeux. Ouais. Il y a un mec, il est venu pour toi. Comment ça, un mec qui est venu pour moi? Lui, c'est un coach de vie. Il va réparer ton couple. Wesh. Comment ça, wesh? Ça, vas-y, rentre. Rentre. Alors là, c'est quoi? Un point. Ok. Tu vois, c'est un point tout simple, il n'y a pas de piège. Je rapproche. Un point. Plus gros. Oui. Je rapproche. Plus gros. Je rapproche, plus gros. Ok. Oui. Maintenant, si je m'éloigne. Oui. Tu vois quoi? Ben, un point, toujours pareil, mais voilà. Plus petit. Mais plus petit. Oui. Et puis je m'éloigne, et à un moment donné, tu vas avoir une blanche. En gros, avant de commencer, imagine que ça, c'est le problème que vous avez tous les deux en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et le problème, c'est que vous... Qu'est-ce qu'il y a? T'abuses. Pourquoi? Non, t'abuses. Pourquoi? J'ai pas le droit de le mettre en fond d'écran. Carrément, t'as mis le nouveau en fond d'écran. Bah oui, et alors? Ça prouve que je suis sincère au moins. Ça prouve que t'es sincère? Bah ouais. C'est vrai, moi j'ai une photo de Cristiano Ronaldo en fond d'écran. C'est mon amour est sincère envers lui. Parce que le nouveau, là, il est remonté sur Paris pour quelques jours. Du coup, il nous a laissé sa meuf. D'ailleurs, il me manque. Il te manque? Ouais. Il me manque. Elle plie tes affaires, mais un vrai couple, hein? J'aime bien vous voir ensemble. Cadet. T'es chaud, hein? Mais elle est défoncée. Ouais. Mais regardez ce qu'elle a mis sur TikTok, Asia, ce matin. Défoncée sous ballon. À 10h du matin. À 10h du matin, elle a
posté ça, je l'ai appelé de suite, elle a supprimé. Le problème, il vient de moi. Une personne comme Asia, sans vouloir me vanter, je vais lui donner des millions de vues. Je vais lui donner des sommes d'argent assez conséquentes. Elles sont grandes, ces sommes d'argent. Ouais. Et regardez ce qu'elle en fait. Au lieu de se servir de sa notoriété pour du bien, elle préfère se droguer avec des ballons. Tous les jeunes ou les adultes qui ont regardé cette vidéo, ne faites pas comme elle. C'est juste horrible, les ballons. J'ai raison ou pas? Surtout qu'elle fait ça et en plus elle publie ça sur les réseaux. Et le pire, ouais, c'est qu'elle publie ça sur les réseaux. C'est n'importe quoi. Au fait, Athéna et Oxo, temporairement, ben, je les ai laissés chez Lauriana. Parce que j'ai le petit. Et j'ai peur, je vous dis la vérité, j'ai peur. Si vous verrez juste la taille des pattes, regardez. Imaginez juste, ils mettent la patte sur le visage de mon fils. Et j'ai peur. Mais là, vu que Oxo, c'est un mâle et que Athéna, c'est une femelle, hier, ils ont fait l'amour toute la nuit. Midi 13h. Du coup, là, je suis obligé de les séparer. Je vais récupérer soit Athéna, ben, soit Oxo. Et c'est quoi que t'es en train de faire, là? Je me suis choqué à la maison. Les lumières, ils sont allumées. Depuis tout à l'heure, je sonne. Depuis tout à l'heure, j'appelle Asia au téléphone et elle me répond pas. Elle a dû voir ma story, elle sait que je l'ai cramé en train de faire des ballons. Et du coup, regardez. Du coup, elle est en train de faire la capricieuse. Mais elle sait pas que je vais grimper, même si le mur, il est un peu haut, là. Regardez ce qu'elle m'oblige à faire, s'il vous plaît. Oh là, à mon âge, devoir grimper des... Surprise! Surprise! Je peux éteindre la lumière, s'il te plaît? J'ai plus de batterie, le chargeur est plus en acero là. Commence même pas avec tes excuses. Il est où ton téléphone? Vas-y, t'as pas de batterie, montre-moi ton téléphone. Ouais, mais pourquoi t'essayes de cacher là ce qu'il y a là? Ouais, mais pourquoi t'essayes de cacher? Je l'ai vu, espèce de guignol, ça là. Ça là, ça. De vrai, elle a plus de batterie. Mais Asia, c'est quoi ça? J'essaie d'oublier. T'essaies d'oublier tes relations en faisant ces merdes. Il est où ton argent? Il est où l'argent? En bas? Habille-toi, lève-toi de suite, Asia. Asia? Avant-hier, t'avais combien d'argent? 1500 euros. Ne dis pas qu'en 2 jours... Il te reste que 110 euros. Ça va, t'es riche toi aussi, sois content que tu claques de l'argent tous les jours. Je ne rigole pas avec toi, Asia. Ça va, on est... T'as gaspillé tout ton argent, il te reste que 110 euros. Je te donne plus 1 euro. Je te donne plus 1 euro. Fini, privé d'argent. Wahaka, dénissant que je te donne plus 1 euro. Jusqu'à nouvel ordre. Et on va voir si je suis riche. Je te donne... T'as une tête... T'as une tête comme ça. Non, je rigole pas, t'as vraiment une tête comme ça. Les ballons, ça te rend moche. Mais Nasser, je m'en fous des ballons quand je le fais. En fait, c'est juste le fait que j'aspire et que je respire. Ça m'apaise, je suis dans un autre monde. Et ça m'apaise, Nasser. Voilà, j'en ai besoin. Même si... Je le répéterai jamais assez. Ne touchez jamais à ces ballons. Et si vous en faites, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez, j'ai vu des amis à moi avoir un côté paralysé. D'autres, je le jure, au quartier, des gens paralysés. Et c'est ces gens-là qui m'ont dit, Nas, on a fait des erreurs à en faire. Conseil à ceux qui te regardent de jamais toucher à ça. Donc s'il vous plaît, ne touchez pas à ça. Entrée, plat, dessert. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur ce type, mais les 100 euros par jour, il les mérite. C'est franchement, c'est mérité. Oh, je mange un festin de roi tous les soirs grâce à lui. Merci, ça s'arrête. Quand t'arrives et que tu chopes cette pièce de bœuf comme ça et que tu la trempes à cette sauce, je sais pas ce que c'est, et que tu fais ça.
Et puis ça fond dans la bouche. Ça fond. T'as vu ce que je trouve dans le sac de Luna? Je suis en train de manger. Non mais attends. Mais je m'en fous que tu le retrouves dans le sac de Luna. Ça sert, comment ça? Ça veut dire quoi? Elle est en train de faire un gosse en scred ou c'est comment? C'était réellement dans le sac de Luna. Bah, sur ma... Un il test de grossesse. Il dépasse de son sac. C'est devenu baby boom. Mais on mange, on mange. Ah. On est en train de manger. Pose ça. Vas-y. Et dégage, s'il te plaît. Casse-toi, allez, s'il te plaît. Avec trop d'enfants, toi. Ça te fait rire, toi? Elle a pas tort, hein. Tu viens squatter ici pour prendre mon enfant dans tes bras, alors que tu peux en faire un avec Sabrina. En fait, je préfère quand c'est pas à moi. C'est mieux. C'est mieux chez les autres, c'est ça? Bah, t'as que les bons moments, les câlins, pas les pleurs, les cris, les... C'est pas bête, c'est pas bête. Oui, mais c'est... C'est pas bête. C'est tu profites des bons moments de la vie, c'est tout, frère. En aucun cas, je fouille dans ton sac, il dépasse de mon sac. Mais t'es qui, toi, Saya, pour fouiller dans le sac? Attends. Moi, je dis tes quatre vérités. Le problème, c'est pas moi qui prends ton sac. Le problème, c'est que tu gardes un gosse. Tu veux garder un gosse. Déjà, j'ai pas prévu de faire de gosse. T'es qui, toi? Pourquoi? Ah, toi, qu'est-ce que ça peut te foutre qu'elle va faire un gosse ou pas? Et toi, pourquoi tu te balades avec ça? Mais parce qu'on sait jamais, au cas où un jour je le fais, voilà. La serre, j'ai mon test. Mais là, j'ai rien fait. Je le garde au cas où. Vaut mieux prévenir que guérir. Mais vaut mieux prévenir que guérir de rien du tout. Il est hors de. On garde pas un. Pourquoi se balade avec un test de grossesse là tout de suite? Pourquoi se balade avec un test de grossesse là tout de suite? Moi je le sais. Je sais pas. Hein. Ah, t'es même pas au courant? Mais raconte une histoire, frérot. Comment ça? Mais attends. Viens dans le salon, viens. Devant tout le monde, hein. Je le dis vraiment devant tout le monde, hein. Arrêtez de croire qu'avoir un enfant, ça allait au centre aéré. C'est pas un truc de gamin. Déjà, toi, t'es encore un petit gamin. Fais très attention à toi, Kadé. Mais Nasser, déjà, je le sais pas de 1. Et pourquoi tu te balades avec un test de grossesse? J'ai jamais vu ça, mais là, on a un enfant, Nasser. J'aime Loriana, elle me ramène pas un gosse dans mon dos. Je vais faire comme, mais jamais. Me ramène pas un gosse devant mon dos. Un gosse dans son dos. Parce que pour faire un gosse, faut être deux. Je te préviens, mon pote. Mais Nasser, pas... Juste méfiez-vous. Jamais t'as vu. Méfiez-vous. Voilà, méfiez-vous. Tu vois, Elle craigne. Ah ouais, ça va pas du tout avec la tenue, là, Gda. Non, pas du tout. Pas du tout, hein. Je veux dire, je t'aime bien quand même, parce que t'es loin de décider. Ah ouais? Ouais, t'es très loin de décider. Mais non. Mais tu tiens toujours ta parole, toi. T'as vu? Ah. C'est une chose qui est sûre. Ça m'a appris cette salon. T'es trop beau, là, Gda. Et je peux avoir mon billet de 20 balles, là, tu m'as promis depuis une semaine, comme du jour. Ça, c'est qu'une parole, hein. Mon chèque, c'est qu'une parole, mon chèque, je viens pas pour rien. C'est vrai, c'est pas pour rien. Depuis tout à l'heure, vous amusez à la bagarre, ben amusez-vous sur Snap. Allez. Bon. Vite ou je vous envoie les petits. Oh, t'as pas rigolé. 3. 2. Oui. Eh, tombez-le. Non, carcasse, les gars. Tombez-le. T'as vu. Tombez carcasse. Tombez-le. Tombez-le. Voilà, j'en ai marre, voilà. À chaque fois, ils ont faim. Voilà, frérot, j'en peux plus. Oh, j'ai mal, j'ai une douleur au doigt. Quand je marche, je dois aller manger. Marche et on va manger, c'est tout. Mais moi, j'ai pas faim. Et tu nous payes, nous. Nous, on a faim. Ouais. Ça veut dire, moi, il faut que je vous regarde manger. Ouais. Vous voulez manger où? Resto. Ah, pas kebab. Non, c'est fini. C'est fini, kebab. Ouais. Hein? Resto, 5 étoiles, pas que ça. Qu'est-ce que c'est un bonheur? Comme ça, comme les étoiles là. Voilà. Tu me fais honte, tu pisses de partout. T'as pas honte, il y a des toilettes, mon frère. Où il y a des toilettes? Je sais pas. Mais pourquoi à chaque fois que je vous invite à manger, maintenant il y a lui? Et il y a qui arrive encore? Un collègue. Ok. Et c'est moi qui dois payer les cartes. Il y en a deux autres qui arrivent qui nous rejoignent là-bas. Mais ça fait cher, moi. Ah, regarde, il m'appelle. Moi aussi. Allô? Allô? Vas-y, c'est bon. On est là, maintenant. Regarde, on est là. Il m'a appelé en même temps. Toi aussi, t'as faim? Ouais, j'ai faim, j'ai très faim. Allez, viens manger, voilà, il y a la dalle. Il y a la dalle, bâtard.
Allez, c'est bon, allez-y. Allez-y, mais c'est pas grave, vas-y. Allez-y, commandez, je paye. Avance. Vas-y, avance. Je suis trop content quand les petits jeunes de mon quartier sont contents. Ça me fait plaisir de les inviter. Franchement, c'est comme si c'est moi qui ai mangé. Voilà, c'est les meilleurs du quartier ceux-là. Les menés, IR, je vais faire un boulot, Django les mets. ODB, la mentalité. On 6 hop, t'as pas aimé. Ok, sur Rap Leader, on les choque. Les plats sont arrivés. Les jeunes, ils se régalent. Et moi, j'ai mon petit coca. Et j'attends qu'ils finissent de manger tranquillement. C'est la sainteté, la vraie. C'est pas que ça. Demain, jet ski. Ils veulent que je les amène au jet ski. Mais ils savent pas que moi je suis pas dans la tasse. Oh. J'ai pas. Mais c'est voilà. Dur. On s'en fout. T'es pas prêt, mon gars. T'es pas prêt de ce que je vais déchaîner. Les démons qui sont à moi, c'est quasiment tous des fêlés. J'aurais l'état d'un collimateur si j'avais des soldats. Coup d'état imminent pour tous les éliminer. Je vise la tête et pas le cœur depuis qu'ils font que des coupages. J'canalisais mes peurs. Oh. En large, mais n'en faut que le coup part. Le monde est parano. Depuis qu'ils voient que c'est des fausses, se font des parrainos. À ce qui paraît, les gens sont devenus fous. La folie banalisée, entraînée par un autre. À Bali, tout, je m'en bats les couilles de leur vécu. Pour leur défaite d'ailleurs, je fuis le combat physique, ça vaut même plus la peine. Depuis que la patte du guerre rassemble plus que la peine, c'est pour mon compte. Oh là 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 là! Les politiciens, il est temps de les faire criser. Bla bla bla, ça c'est que de hadra. Balle dans la tête et puis t'as fait des harba. J'ai les rimes qui te ballonnent, j'ai pas le ballonné. Je fais que slalomé, tu fais que chalomé. Je suis dans la voiture avec des amis, ils veulent pas que je les montre. Voilà, il reste 6 km. Mais pour arriver à Perpignan, il y en a encore 13. Ah ben je vais vous montrer ce qui va se passer. Il n'y en a pas un euro dans la poche, hein. N'oubliez pas, bande de clochards. J'ai 9%, 3 km d'autonomie, pas un centime. Oula, je suis un vrai clochard, oula. Un vrai. J'ai mis les warnings. Ça va plus du tout, elle va s'arrêter. On est très très loin. Celui-là qui veut venir nous aider, il peut commencer à venir déjà. Regardez où on est. On m'a dit maintenant qu'il croit sur un clochard, elle m'a quitté. Je mange tes pâtes. Mais bon, ça arrive en vie, alhamdoulilah. Bon, mes bébés, moi, je vous reprends que maintenant parce que la technicienne de Cécile, elle est arrivée, elle m'a félicité. Elle a trop d'aide, j'ai demandé un volume bien fourni et bien long. C'est exactement le résultat auquel je m'attendais. J'aime trop. Du coup, la NG, elle est en train de faire Cécile. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai pas trop snap aujourd'hui. Du coup, dites-moi ce que vous avez fait aujourd'hui, histoire qu'on papote un petit peu. Là, je suis avec Ryan. Bon appétit, mon sang. Merci. Et on est au quartier. Il y a personne. Enfin, un peu. Mais pas beaucoup de monde. Les menés, IR, je vais faire un boulot, Django les mets. Je vous jure, il y a personne. Genre, on est sorti pour marcher un peu et tout. Mais wesh, le soir, il y a personne. Genre, c'est le contraire de la journée. La journée, il y a toute la France. Mais là, il y a personne. Bon l'équipe, je vois dans les commentaires, ça part, parce que j'ai fait une photo avec Lina, il n'y a rien. Voilà, c'est ma collègue, c'est comme ma soeur. Ça veut dire que commencez même pas à vous inventer des trucs, je sais pas quoi, n'y pensez même pas, impossible, c'est comme ma soeur. Mes bébés, avec Angie, Lina et Gaté, on a fini tout le ménage. Un petit mot. Laisse tomber, c'est trop dur. Rebelote de même. Rebelote, la même chose, tous les soirs, c'est notre rituel du soir. Donc voilà, demain. On a un programme chargé. Demain, on doit aller en Espagne. On va faire du shopping, voilà. Du coup, je vais pas tarder à aller dormir. Angie, tu vas pas tarder à aller dormir non plus. Oui, je dors. Hein? Ouais. Hein? Je reçois plein de messages.
me disant « Ouais, tu dors jamais, on ne doit jamais dormir. » Parce que je dors jamais, tout simplement, pour la seule et unique raison que le sommeil ne vient jamais à moi. C'est une dinguerie, je dois me forcer à dormir pour pouvoir dormir. Sinon, je ne dors jamais. Et ça devient vraiment un problème. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais je ne trouve pas le sommeil. Le sommeil ne vient pas à moi, il ne me trouve pas non plus, je ne comprends pas. Dinguerie. Voilà, dinguerie. Voilà, dinguerie. Hey, regarde, j'ai pris le téléphone, je me suis connecté. J'aurais jamais dû faire ça, voilà. Il n'y a plus rien qui va. Regardez, il n'y a plus rien qui va, voilà. Ouais, c'est chaud. Je vais montrer, moi. Mamadou, je sais que c'est dur. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Il veut pas couper, coupe-le, il faut le jouer, vas-y. Coupe. Lève la main, ferme ça. Ça fait combien de temps que t'es pas rasé? Vas-y, coupe. Hein? Je suis pas là. Red. Ouais, coupe, frère. Non. Je peux pas. Oh là là. Yeah. Les gars, Kandia, je sais que ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Même les gens ont demandé avant, après toi. Et c'était. Il y a une grande histoire, restez branchés. Quand Diop il est là. Fricassé, son nouveau ami. Ouais, je te le ramène, Fricassé, il est là. Fricassé, salam alaikum, dis bonjour à mes aboulettes, mes aboulettes. Et pour finir, c'est mon sahab et mon frérot Baguette. Il est là dans la maison. Baguette, Fricassé, Quand Diop et Cappuccino. Un bon petit déj, quoi. Mets la lumière. Mmh. Attends, donne, je veux voir. Oh, ouais. C'est de l'or, tu me le vends. Oui. C'est Cappuccino, ton ami, ça fait 3 ans. Oui. T'es sûr? Oui. Oh. Ça y est, mon frère. Ça y est, quoi? Regardez, les abonnés, les abonnés. Voyons. Voyons. C'est pas de l'or, ça. Ça, c'est pas de l'or. Merci. La fête comme Khalti. Ça m'a écouté. Aujourd'hui c'est journée fille, en fait on sait que bientôt il y a les épreuves d'élimination. On sait pas trop ce qui nous attend. Donc on s'est dit qu'on allait faire des UV. Donc là on est au UV pour être bronzé au cas où si on n'a pas de make-up. Et ce soir il y a une fille qui vient à la maison pour les cils, comme de toutes les cils. On est prête, on sait jamais ce qui nous attend. On est parti faire des UV, on a laissé Pacheco tout seul, je le retrouve pas en train de nous faire une petite séance d'épilation laser. Bon, je suis partie faire des courses, mes amours. J'attendais qu'on me rende la cagnotte pour aller les faire, mais bon, j'ai compris qu'on me la rendrait pas. Donc c'est pas grave, Bibi va faire les courses. Nous on est rentrés à la maison, ce soir on se fait une soirée hamburger salade entre nous. Tu vas manger? T'as mis mes lunettes de vue, ça te va trop bien. Mais Pacheco, tu sais pas faire à manger, je savais pas. Je savais pas, il m'a dit comment on fait les steaks au four. Pacheco, tu me fais honte avec ton verre. Pourquoi j'aime bien? Ouais, et je comprends pareil, pas. Il m'a dit quoi? Il m'a dit parce qu'il y a personne qui a bu dedans. Ça. Mais je comprends pas, voilà, genre. En plus, je comprends pas. Il y a un verre propre, regarde. Ouais, mais tu préfères ça. Ça. Bon, d'accord. Juste la petite... Nina, on sait pas trop où t'étais aujourd'hui, ni cette nuit d'ailleurs.
Lina, elle vient de finir de faire les cils, mais waouh, incroyable. Trop, trop, trop forte, notre technicienne de cils. On continue notre petite story de fils autour de Lina. Il est 2h20 du matin quand même. Il y a Lina avec nous. Il y a même Ruby qui ronfle déjà. Demain, on a un planning chargé. On a décidé de partir en Espagne. On va à Gérone, au Polygone, pour faire un petit peu de shopping, manger entre filles. Je crois qu'il y a Pacheco aussi qui vient avec nous. Enfin bref, on va faire beaucoup de stories, un gros haul. Et voilà, voilà. Sign me up like I'm surprised. Let's roleplay. I wear disguise. I want you to park that big man. Je vais vous montrer un petit peu l'inverse du décor. Donc vous vous demandez pourquoi on se couche aussi tard. Ben, je vous promets que tous les matins, de 4h à 6h, on fait 2h de ménage. Tous les jours. Je me plains jamais. Je vais jamais vous faire des stories pour vous dire oh, ma maison elle est sale, oh là là, il y a du monde chez moi. Non, c'est la coloc, c'est le fait de vivre avec tout le monde, d'aider tout le monde. Alors il n'y a pas de souci. Mais juste je vous montre pour vous rendre compte. Parce que je vous montre jamais la soirée, le moment ménage. Comment il est énervé. Et alors, il y a toujours Lina qui met tout le temps, Leina, et en ce moment, il y a Saya à la maison et Gâté. Eh ben, ils participent de fou aussi. Ne paniquez pas, je vous rassure, c'est juste la saleté de ce soir. Tous les jours, je lave les murs. Tous les jours, je lave le sol, mais genre comme s'il y avait eu un after. Et dans 24 heures, la maison sera redevenue comme ça. Mais on est obligé de se tenir à jour pour essayer de vivre dans un lieu à peu près convenable, même si on sait. Que le lendemain, ça va remettre la même. Seconde, l'amour lui ne peut pas finir. Laisse-moi guérir tous tes bobos, ma chérie. Je ne peux plus souffrir. Souffrance, même cherche à te fuir. Écoute ma poitrine, mon cœur a des choses à te dire. Allez, donne-t-il l'amour, donne-t-il. Tout ce qu'ils t'ont fait, on va oublier. Prends-moi cadeau, fais-moi oublier mon gourmand. Allez, prends-moi tout, garde-le pour toi. Et si le ciel me rappelle, c'est devant toi que je veux fermer les yeux. Oh, oh baby, I love, I love, I love, I love, I love. Bah voilà les gars, regardez, on doit faire une photo pour la fin de story, mais regardez le filtre qu'ils me mettent. Mais regardez le filtre qu'ils me mettent tous les soirs, j'en peux plus. Ryan fait un effort. Bah vas-y, on va faire la photo. Le barrage est dedans solide si je m'en sors. Bébé veut s'en aller, faut des dollars pour Christian Dior. Elle voudrait le Gucci, elle veut que je la vie encore. Dis-moi que tu m'aimes à la folie. J'ai promené Athéna. J'ai fait toute la serpillière, tout le balai dans toute la maison, sauf là. Voilà. La cuisine, j'ai pas fait. Ça, c'est le drap qu'il y avait sur le lit de Asia. Je vais le mettre à la poubelle, je peux pas. J'ai fait les toilettes. J'ai fait aussi la salle de bain. Voilà. Oh, on dirait qu'il y a une tache. Mais c'est rien, mes vies. C'est de l'eau. Oui, c'est de l'eau. C'est le truc qui a pas séché. Ah, t'es navée, là, ma fille. Viens, là, viens. Voilà. Là, il faut juste que je fasse l'entrée de la maison. Et la cuisine. Et c'est tout bon. J'ai même fait la chambre de Asia, mais je peux pas ouvrir. Parce qu'il y a Oxo et ils font que des bêtises depuis tout à l'heure, les deux ensemble. Donc, maintenant, ça y est, je les ai séparés. Cette nuit, j'ai passé une nuit horrible. Déjà que j'étais seule. Déjà que les chiens, ils faisaient que aboyer, ils faisaient que grogner, ils faisaient que pleurer. J'en pouvais plus. Vraiment, je... On garde la tête haute. Bah, le téléphone il est devenu flou et tout, quoi.
Vraiment, je suis désolée de pas snapper. Du coup, il y a un monsieur qui est venu à la maison et tout. Franchement, il a grave apaisé le truc et tout. Genre, il nous a beaucoup parlé aussi. Mais après, ce qu'il nous a dit, c'est ce qu'on se disait aussi. Mais on n'arrivait pas réellement à essayer de changer le truc qui avait de cassé entre nous. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai beaucoup pardonné. Mais j'ai beaucoup reproché aussi. Parce que ça fait super mal. Il y a beaucoup de choses qui font très mal. Et nous, les filles, on a du mal à accepter. Mais c'est pas grave. Je fais avec. C'est lui que je veux. Je suis prête à faire des efforts. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, du coup, après ces discussions-là, du coup, j'ai fait à manger. J'ai fait un rhum steak avec la purée. C'était trop, trop bon. Ensuite, Nasser, il est un peu venu me voir et tout. Je vous explique parce que du coup, je snap pas du tout. Mais au moins, vous savez ce que je fais quand même. Du coup, j'ai refait les toilettes, j'ai refait la salle de bain, j'ai refait la chambre d'Asia. Mais les chiens, ils ont encore fait pipi, d'accord? Dans la chambre, alors vraiment, ça prenait au moins 3 fois. Genre, je suis trop fatiguée, j'en ai marre. Là, je suis en train de faire ma chambre. Je viens de laver tout mon frigo. Et là, je suis en train de faire ma chambre. Et après, il faut que je fasse le balcon. Mais j'ai trop la flemme. Je crois que le balcon, je vais le faire demain. Après, faut que j'aille à la douche. Faut que je me lave les cheveux. Longtemps que j'ai pas snappé. À cause de beaucoup de choses en interne, j'ai plus la motivation. Mais bon, là, je vais m'étaler sur un sujet parce que ça a l'air de vous intéresser énormément. L'embrouille entre Lorena et les filles. Est-ce que j'en ai rien à foutre? J'étais de la vie de personne. Moi, juste, il y a un truc que j'ai fait avec Angie, c'est qu'on a acheté un cadeau en commun. Même Nasser, il nous avait donné de l'argent. Du coup, elle a refusé ce cadeau-là. C'est juste là, j'étais énervé contre ça. Mais moi, si j'étais descendu, c'est pour une raison. Elle le sait, je le sais, j'ai pas besoin de m'étaler. Malheureusement, on s'est embrouillé. Après, quand vous connaissez, nous, on est sans filtre. On montre tout. Quand on est heureux. Quand on n'est pas heureux, on n'est pas heureux. Donc Nasser a décidé de snapper. C'est parti loin. Elle a eu des gros torts. J'ai eu des gros torts. Et de toute façon, ça se réglera en interne et on verra par la suite. Détrompe-toi, le gros. C'est pas ça du tout. De base, regarde, c'est simple. J'étais pas véhiculé ce jour-là. Le fait que je sois pas véhiculé, il y avait que Angie qui avait une voiture. Donc je l'ai envoyé, sachant qu'elle aussi voulait acheter un cadeau. Donc je l'ai envoyé au magasin, c'était le même magasin. Elle a acheté un truc à elle, j'ai mis de l'argent pour un truc à elle. Donc moi je lui avais envoyé les sous pour ce truc-là. Et elle allait prendre un autre truc de la part de Nas aussi. Et au final, tout simplement, bah, il y avait un meilleur truc. Il y avait un meilleur truc et du coup on s'est dit, bah, on met tous nos sous sur ce truc-là. Et au final, du coup, cadeau annulé. Ou je sais pas, j'ai pas compris, mais bref, on verra, vous inquiétez pas. Je suis trop cramé sur la prod, j'ai des skis comme Renato, j'ai le contact pour t'arroser. Sors le char en cas d'assaut. Ah mais vivement qu'il apprenne. Tu as pété un câble. Je savais. Ouais. Tu viens me faire des câlins, pourquoi tu me fais des câlins? Hein? Tu sais que t'as fait des bêtises. Tu sais que j'ai pas vu quoi? J'ai jamais vu un bibi aussi fou que ça. Un puce, une piscine. Pleure. Je t'ai promis, ma fille. Et c'est quoi que t'es en train de faire, là? Je me suis chocolat à la maison. J'en veux, moi aussi. Eh, je vous jure, Netflix gratuit. C'est incroyable. Ça nous prend tout notre temps. Sinon, il y a les vrais aussi. Tu connais les petits joints. Ça regarde l'acheter à la place. Mais t'es obligé. Je suis devenu accro, les mecs. Regardez, j'ai laissé quoi? Les lumières.
Moi, je lui dis les quatre vérités en face. La femme, elle est enceinte, c'était son anniversaire. Après, une femme enceinte, c'est vrai que des fois, elle a des comportements. Ben, on sait pas ce qu'elle a, mais c'est comme ça, c'est la nature. Mais après, elle a employé les mots qu'il a dit. Ouais, moi, je voulais pas de gosse, nanani. Mais... Oh, c'est quoi ce mange-merde? Qu'est-ce que tu fais, bébé Slimy? Je mange bonbon. Tu manges bonbon. Voilà, hier, si je me suis mis en colère, c'est comme si on me disait de refuser qu'un petit bébé Slimy vienne au monde. C'est pour ça que je me suis énervé, j'ai dit mange merde à Crémo. Je tape même si la roue est voilée, un Big Mac ou un quad, en survêtant dans ta soirée. Tu fais la gagne, j'ai pas toi, mais j'ai plein de blabla, j'pète une clope. Smitter, tu la fais ben gousse, choque les tous sur la grégousse. J'ai bizarre, mec, j'ai pas là, ou on va qu'ils s'en fait, on se régale. Au dégain, non, mais j'ai personne, rentre chez toi et fais mes fonds les zones. La potion dans la taille que je roule en zone. J'ai claqué deux verres comme la veille, c'est pour toutes les zones. C'est pour toutes les zones. Si t'es au Pinel dans la mille, plus longtemps je me retrouve avec les mille. Et on prend de l'escale par exéminé. Toi c'est ton plan, mais lui il aime que c'est mille. Évidemment, je lève le TDM. Et je sais que t'as gagné M quand elle me voit passer. Oui. Bah. Qu'est-ce que vous faites, Reda? Mais il va perdre du poids un peu. Nanère, qu'est-ce que tu fais? En fait, si tu veux, je vais porter ce bidon. Montre-nous ton bidon. Montre-nous ton bidon. Là, il faut que tu sors tous les kebabs, les tacos, les pizzas que t'as mangé. Cet été, je veux un autre corps. Regarde-moi, Nanère. Slimane. Quoi? J'ai raison ou pas? Ouais. Hey, Slimane. Quoi? Toi, tu vas avoir les muscles. Ouais. Montre les muscles, montre. Oh, il nous a montré le coup. L'équipe, je leur balance la vidéo ou pas? Balance la vidéo. Slimane, tu balances la vidéo? Ouais. Allez, c'est parti, je vous l'envoie. Pourquoi t'es énervé? C'est parce que depuis tout à l'heure, j'attends le vidéo. T'as pas commencé. 1, 2, 3... Ouais, allez, à droite, à droite, à gauche, à gauche. Ça y est, je leur mets la vidéo. Ouais. C'est la chute. Bonjour à vous. Ici, nous sommes à la placette. C'est ici où bon nombre de vidéos de Nasdas ont été incroyables. Elles sont dans les archives. Elles sont même restées dans les annales. Alors moi, ce que je vais faire pour vous, je vais vous présenter quelques vidéos, comme celle-ci. Mais ça se voit que tu t'en bats les couilles. Ah, tu t'en fous de mon avis. Et en plus, comme celle-là aussi. Le sport pour les deux grâces, il commence. Et quand c'est fini, il y en a encore. Grâce à mon camion, vous pourrez visiter le quartier Saint-Jacques en intégralité. Je sélectionnerai 8 chanceux qui viendront avec moi dans mon camion, avec mon sac à dos numérique, et je viendrai les récupérer personnellement à la gare. Et ici, nous sommes à l'endroit même, car derrière moi, il n'y avait qu'un bâtiment. Et ce bâtiment, c'est là où Nasdas a grandi. C'est là où il a vécu sa vie de chienté. Et c'est pour ça qu'on dit Nasdas la chienté, la vraie. C'est ici où les premières graines ont été semées. Et aujourd'hui, on en récolte les fruits. C'est ici où tout est parti. Billy DZ, Samos, 4BZV, Tunsi, Nasdas. Et aujourd'hui, nous sommes entre 20 et 30 dans la team Nasdas. Donc moi, ce que je vais faire pour vous, je vais vous faire découvrir des choses que vous n'avez jamais vues. Et à travers mon sac à dos numérique, vous allez vivre le quartier comme si vous y étiez. De quoi? Lui, il vient jamais au quartier sans ses patates. J'ai patates. Simon, fais-le le colère, fais colère. Oh là là. Pourquoi tu veux pas aller au coiffeur? Mais je pense que j'ai un projet. T'as un projet? Et t'es sûr que ce mec il est pas dans le projet? Il est en projet, cheveux longs. Laisse-le avoir la liberté d'avoir ses cheveux. C'est... Quand à cet âge-là, tes cheveux c'est important pour toi. Regarde, t'en as plus, t'es dégoûté. C'est pour ça que tu peux pas faire de projet cheveux longs. Lui il en a, il en profite. Laisse-le. En fait, il est dans l'histoire ce mec. Je sais pas, tu m'as dit de le faire. Tunsi, avec modération, je t'ai dit. Sur la tête de ma mère, gars, je vais t'expliquer pourquoi. Il a de très belles boucles. T'as vu, quand ça va pousser bien, il va être magnifique encore plus qu'il y a. C'est l'anniversaire à qui? À moi, à
Mais non, c'est pas ton anniversaire, hein. C'est pas ton anniversaire. Si. Non. Si. Toute la route, les gens ils me klaxonnaient, mais je comprenais pas pourquoi. Regardez ce qu'il a fait, nana. Voilà. Ces enfants. Mais... j'adore les enfants. Les gars, tranquille. Petite dernière adresse. On fonce. On va aller voir quelqu'un. Un collègue à moi. C'est parti. J'ai 2 heures de route. Je vous mène des petits souvenirs histoire de vous faire passer le temps. Et voilà. Coucou. Vas-y, 1v1. Ça y est, ça part de là. 1v1. Une, deux. Et déjà, le 1v2 est bizarre. Ouais, mais ça, les gars, c'est carré. Là, on reste pas comme moi là. Ouais, mais ta ville, ça, c'est que des briques, mon frère. Là, c'est que des briques. Ouais. Je bégaye. Bref, on va où là? Là, on va pas dire, on va où? Ah, bah, on y on repart alors. Je crois que je l'ai dit dans ma story. Hey, les gars, par là, il y a RB. Il m'a dit quoi? Ouais, moi, ce soir, je peux pas te voir. Je sais pas quoi, je redescends dans ma ville. Ma bite, il est parti voir des meufs. Regardez, ce fils de pute, il est orange. Il sait pas, je vais l'attraper. Mais je m'en bats les couilles. Garde la pêche. Les gars, il est def, voilà, il est pédé. Mais frérot, tu me demandes de te faire des bisous, mon gars, t'es bizarre. Je t'ai vraiment pas gagné un bisou d'amis. Ouais, mais même, il y a pas. Ouais, je te rends pas chico, quoi. Eh, vous savez même pas, RB c'est le meilleur. Voilà, c'est le meilleur. Il prend une voiture, il fait le grossiste. Porsche, je vais déposer une petite raclée. Normal, il prend la voiture. Il arrive sur l'autoroute plein d'essence. Ah mon gars, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Force à toi mon gars RB. On est en bleu. Non, on n'est pas en bleu. T'es pas dans le bon. Non, t'es pas dans le bon, t'es dans le dur. Planète des singes, hein. Voilà, ça tue, ça grand, ouais, je suis venu te sauver, frère. Merci, mon frère. Eh ben voilà, c'est vraiment une galère, ce mec. Voilà. Ça fait chier, wesh. J'ai fait exprès, c'était pour contenu. N'importe quoi. J'ai fait exprès, c'était pour contenu de ma vie. Je suis noir. Je suis moi. On va passer une bonne soirée ce soir. Bonne soirée. Juan, bonne soirée ou pas? Comment t'as un mec, t'as pas le temps. Oh, je regarde même pas le temps. Pas les couilles, hein. Bah les couilles, la carte, elle dit pas non, ça veut dire t'as la carte. Jamais non. Ça a 30 vues qu'on a pas décidé de choisir, tu sais. Il fait tout. La sanction. D'avoir calé. Mais allô, ce genre de trésor en fait, vintage vibes, j'aime trop, bien sûr que je vais acheter ce petit chapeau à 2 euros. Bon, après, peut-être que j'aurai des poux, mais c'est pas grave.
Regardez, à la base, je suis venue dans cet endroit chercher un simple colis et au final, j'ai trouvé plein de pépites. Regardez, des petits bijoux vintage juste canon, des lunettes Gucci vintage. Elles m'ont coûté 50 euros. J'ai bien regardé, c'est des authentiques, des petits basiques comme ça, un t-shirt Dior, pareil, il est authentique, ne paniquez pas. Mais c'est un vintage, il est incroyable, regardez. Waouh, ça, c'est des pépites, ça. Ça m'a coûté 10 euros, vous vous rendez compte ? Petite jupe canon, enfin j'ai trouvé des trucs trop mignons. Regardez mes nouveaux ongles comme ils sont mignons. C'est Eva qui me les a fait. Normalement elle les fait pas, mais moi je suis privilégiée. Parce que la dernière fois elle est partie faire ses ongles sans moi, donc aujourd'hui elle m'a fait les ongles. Une vraie question, est-ce que tu fais exprès d'aller... Oh, pardon, 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 mais j'avais une question. Mais si, c'est là avant. Et après je ferai... Comme ça. Ok. Cadre. Regardez les cils qu'elle m'a fait. Bon, après, comme d'habitude, hein, ça choque plus personne, en fait. C'est pas Eva Esthétique, c'est Eva Queen. Eva, c'est vraiment ma meilleure amie. T'es ma meilleure amie, Eva. Toi aussi, t'es ma meilleure amie, gros. Depuis 2015, 2010, depuis qu'on est toute jeune. Elle connaît tout mon corps par cœur. C'est elle qui me fait les épilations de partout, des sourcils, les cils, les ongles. Elle pourrait m'épiler les yeux fermés tellement elle connaît mon corps par cœur. Ah, je l'aime, cette petite. Mon bébé, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'ai oublié d'écrire après quand j'ai posté. Bref, à la base, je devais faire un avant-après, mais le avant-après, il est trop nul. Mais le résultat, il est quand même incroyable, quoi. Mais j'ai floppé le avant-après. Oh, ça arrive, je suis pas très professionnelle parfois. C'est trop. C'est trop les blocages. Les blocages trop.